Alors tout le monde, vous c'est Changement MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Upcard. La série à laquelle, si je m'en... La série est terminée. Du moins, la saison 1, s'il y en a d'autres, Upcard. Aujourd'hui, on est la 15e ou la 16e vidéo, je suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr quoi je veux là quand je veux aller dormir. Je suis content de vous revoir. Enfin, on est de retour sur Upcurl. Enfin. Après un petit bout de temps quand même. 2 mois. À peu près. Bon, pas à peu près. C'est 2 mois. On se souvient que durant l'été, il y a eu un programme, c'était le programme d'été, à laquelle je n'ai pas fait de Upcurl. J'ai fait du Minecraft, mais c'est un tutoriel même. Mais là, ils seront faire le tutoriel car on continue la série. Ouh, j'en ai pas mal. Bon, je pense que je vais tout faire cuire ça, comme ça, je vais tout avoir de l'expérience. Ça va être parfait comme ça. Ça n'est pas de faire. Bon, là, je suis prêt. Ok, il y a de la viande, là. Ça veut dire, moi, finalement, je pense que c'est cette viande-là qui est tough, qui a résisté jusqu'au bout. Ça, c'est bien. Faut, par contre, un charbon supplémentaire. Puis, on va faire pas mal d'expérience, pas mal d'affaires aussi. Bien évidemment. Le champ. C'est sûr que ça avance pas. Un champ, comme ça. Ah, oh, c'est vrai. Je vais boucher ce trou-là. Comme ça. Je me poserai pas de questions. Mais faut juste que je trouve. Voilà, de la terre. Dans les dernières vidéos, j'en sais plus lequel exactement, j'avais participé à l'aventure à la recherche de slime. Donc j'en ai trouvé, mais pas un stock complet. Ça durait un tout petit peu trop longtemps à mon goût, la recherche, plutôt qu'avoir resté là un tout petit peu trop longtemps. Ça c'est à mon avis. C'est quand même de faire. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Bon, je reste à faire une salle des coffres. Peut-être. Qui serait très utile. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas trop. Pour l'instant. Parce qu'on revient. Je vais me laisser une chance au moins. Je risque peut-être de peut-être faire un champ automatique. Ce serait peut-être bien. Ce que je vais le faire en hors caméra. Alors, je vais faire le champ automatique. Parce que je vais vous montrer. Vu que j'ai 39 de slime, j'en ai assez pour faire un champ automatique. Ça, c'est sûr. Je fais un champ automatique. Après ça, je reviens. Bon, ça veut dire on fait une ellipse et je reviens après avoir fini le champ. Ellipse. Bon, on est de retour. J'ai pratiquement fini le système. Bah, l'usine à blé. Quelques petits problèmes techniques, rien de plus. En gros, ça doit être allumé. Pourquoi? Parce que le système bug. Le système de piston bug, tout simplement. Juste vous faire le test. C'est ouvert. C'est beau, tout fonctionne. Mais rendu de l'autre côté, je le ferme là. Et où? J'oublie ce petit détail. Là, il est fermé. Ça, il doit être fermé aussi. Oh.
Ok. Mais voilà. Finalement. Quand il ferme, les deux. Oh, bon, je savais que les deux doivent être fermés en même temps. Bon, j'ai encore un répéteur à faire parce que si on veut que ça fonctionne, j'ai pas le choix. Après ça, je vais vous expliquer comment que j'ai fait ce système. Un système sans piston collant, parce que ça coûte moins cher. C'est juste pour ça. C'est juste pour cette raison. Bon, ça devrait être correct. Théoriquement. Vérifions ça. Là, on l'entendra pas. Tout fonctionne. Et tout fonctionne. Parfait. Une autre démonstration, mais là, cette fois-ci, je vais vous. Je vais prendre un peu. Prendre. Ok. Ah, la nourriture est là. Tant mieux. Je vais prendre la nourriture. Bon, ça, je mange la nourriture qui est déjà faite. Je prends le levier pour vous montrer. Là, ça fait ceci. Puis sachez que c'est toutes des pistons non collants. Voyez, sauf lui. Et pourquoi lui il colle? En fait, comme si ce piston fallait le débarquer. Parce au début, quand j'ai fait ça, j'en pétais un piston et ça fonctionnait. Puis il revenait normalement. Mais au lieu de toujours le faire ça manuellement, puis que de faire ça d'une façon automatique, c'est ce qu'on veut. Et de vous pas, ça c'est pas labouré, puis pas d'eau en dessous de là. Bon, peut-être faire ça, enlever tout de suite ça pour pas l'oublier. Ça c'est correct quand même. C'est un champ de 7 par 8. Parce que de 1, l'eau qui s'écoule à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça que j'aurais pu. Finalement. Bon, là, il est trop tard. Bon, je pourrais quand même l'agrandir le réagrandir jusqu'à là. Finalement. Bon, je vais le faire hors caméra une fois que la vidéo sera terminée, puis une fois après être couché. Ou pas, on est en code, hein. C'est pas le moment de se faire trop mal. Puis j'en ai vu des pas mal. Hein. Pas mal de stacks de pierre, tout ça. J'en ai vu des un peu. Puis ça, vu que ça fait comme si il emmènerait le piston, mais en même temps, ça désactive la rangée de pistons. Ok. Et voilà.
Ou sinon, juste ça. Attendez un peu. Faut que le courant se rende. Juste ça. Je suis capable de le laisser ouvert. Sans problème. Vous voulez faire la démonstration? Voyez? C'est exactement ça qui arrive. Puis j'ai réussi en remédiant à la situation en faisant non ceci. Voilà. Et en faisant ceci. En même temps, tout arrête comme prévu. Par contre, on n'a pas le choix de laisser allumer en permanence. Ça, c'est pas un problème. Pour activer les pistons. C'est ça. Maintenant, on est rendu à l'étape, une grosse étape, le remplissage que je veux faire en hors caméra. Et pourquoi en hors caméra? Parce que moi, je veux vous laisser. Parce que ça va être pas mal terminé. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'avoue. Whoopala! Wow! Décoration. Décorative. Aspect décoratif. Je mets ce bloc-là en premier. Il faut que je trouve l'autre qui est là. Et je mets lui en après. Parce que ça fait beau quand même. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'augmenter encore. Comme cela, je vais juste faire voir un affaire. Bon, on l'a entendu. Ah, c'est sûr. Là, il se rend jusqu'à là, à peu près. Parce que ça, c'est 8. Si j'en compte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ce qui veut dire qu'on peut aller jusqu'à 8. Pour qu'il arrive juste. C'est ça, une source d'eau va jusqu'à 8 blocs. On va le fermer. Et voilà. C'est-tu pas magnifique? En gros, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Par la source électrique en haut, parce que si je mets directement sur les pistons, on peut le faire, on peut le mettre, mais après une utilisation, c'est plus utilisable. Qui peut être quand même pratique. Quand je pense à ça, ça peut être pratique. Exemple, on l'active comme piège d'une certaine façon. Je vais vous faire ça. On active le levier. Ok. On est dans, exemple, dans une grotte, on va dire. Ça ferme. Puis pour de bon. Qui veut dire, pour avoir un peu plus de chance de récupérer le restant, on prend un lieu. Sinon, on le laisse là, puis on l'abandonne le trou. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une source d'eau, faut qu'ils seront obligés de... Puis vous faites la source d'eau d'une façon que la personne se noie. Oui. Vous le faites d'une façon que la personne se noie. En gros, assez... On va dire... Ça c'est... On va dire la source d'eau. Ça c'est, en gros, faudrait qu'il soit complètement submergé en tout temps pour que la personne se noie. Puis qu'il y ait un bon piège. Si je vous ai donné des idées pour le PVP ou peu importe, je préfère que je suis ravi de vous aider. Je pourrais dire que je suis ravi de vous avoir aidé pour ça.
On va prendre une photo, bien évidemment, qui sera la miniature de cette vidéo, même si vous le voyez déjà. Qui va être ceci. Sur Jaman. Voilà. Ceci. Et le... Ceci est la miniature. Comme ça, j'ai assez de temps pour le prendre. C'est ça. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, cette courte vidéo. Et c'est pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google, Twitter, car tout le monde est bienvenu. Alors je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en upcurl, parce qu'on continue la série. Puis ça a été quand même assez long. Une demi-heure, une heure pour construire ça. À peu près. Alors pour ça, je vais aller chez ma maison par contre, au cas où que je continue puis que la nuit, puis c'est la nuit. Alors pour ça, vas-y, merci à tous.